Ok, bon après-midi amis téléspectateurs de l'AS Immédiat. C'est vrai que nous sommes dans le confinement tour à tour pour cette deuxième production. On va, puisqu'on parle de confinement et des mesures d'hygiène, on va commencer pourquoi pas avec le gel pour se désinfecter les mains. Bon après-midi coach, tout en vous passant le gel. Bon J'espère que après-midi, Franck. je crois que c'est la mesure à prendre, Oui, d'abord absolument. se désinfecter les mains avec ce gel pour éviter toute contamination possible et surtout respecter le maître de sécurité, raison pour laquelle j'aimerais que vous auriez aimé que nous soyons dans le même fauteuil, mais malheureusement, on ne pourra pas le faire pour cet après-midi. Et pour les mesures de communication aussi dans ce direct, on a préféré coach ne pas avoir des masques. C'est vrai qu'on n'aurait pas bien écouté ce que nous sommes en train de nous dire. On va dire bonsoir à tous ceux-là qui sont déjà en direct avec nous pour nous écouter, pour nous regarder, pour nous suivre, surtout dans ce programme Confinement Vaudon. C'est la deuxième production simplement et nous avons décidé d'aller à la rencontre chez lui-même, dans son confinement à lui, le coach Richard Toa, déjà entraîneur de l'Union sportive de Douala. Il a pris l'équipe quasiment à l'intersaison, coach. Avant d'y arriver, dites-nous un peu, c'est quoi votre quotidien désormais avec le confinement? Mais voilà, Franck Eric, je crois que les règles d'hygiène, n'est-ce pas, sont vraiment très importantes en ce moment-ci, parce que là, pour éviter toute contagion, non pas seulement pour vous, et même pour les autres aussi, je crois qu'il est question pour nous d'être très disciplinés. C'est pour cette raison que moi, j'ai pris l'initiative, n'est-ce pas, de rester à la maison. Et en plus de cela, moi, je fais au quotidien mon sport à la maison. Je m'entraîne suffisamment. Et la chance aussi, c'est que je prends soin du petit qui est là, le petit enfant, et qui avait des difficultés quand j'étais en pleine compétition d'être ensemble avec moi tout le temps. Aujourd'hui, il est très fier. C'est pour ça qu'on dit parfois quelque chose malheur à bord. Donc, je passe beaucoup du temps avec mon fils et ça me fait vraiment plaisir de voir comment est-ce que, il est content que je sois à côté de lui. Bon, pour parler des téléspectateurs, déjà, j'étais convaincu que le premier cet après-midi pourrait être Nassara. C'est un supporter de l'Union de Douala qui réside en Italie, qui vous suit particulièrement, qui suit tous vos matchs. Le coach Mouriad Kazanov, on l'appelle Tactico, très fan de l'Union sportive de Douala. Bonsoir et bon après-midi depuis l'Italie, Kazanov, coach. C'est vrai qu'il y a ce quotidien qui a un tout petit peu changé, les habitudes qui ont changé. Ce matin encore, quelqu'un me faisait savoir qu'il a eu la chance de vous voir faire du footing. C'est vrai que ce n'est pas évident. On conseille de rester à la maison, mais si vous sortez uniquement pour ce qui est nécessaire. Oui, justement, et puis ça doit aussi se faire très tôt le matin. C'est pour cette raison que je dis le footing, moi je le fais régulièrement, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours eu à le faire depuis plusieurs années quand j'étais footballeur. Et même aujourd'hui, je le fais au quotidien. Mais je sors trop tôt le matin quand il n'y a pas encore beaucoup d'affluence, n'est-ce pas, dans la ville. Et puis, quand je reviens donc à la maison, je travaille pendant 3 quarts d'heure, 1 heure de temps. Quand je reviens à la maison, je reste à la maison pendant toute la journée, en faisant bien sûr encore du sport à la maison. Je fais de la coordination, je fais de la musculation, je fais de la stabilisation à la maison. Et je suis vraiment en pleine forme, on peut le dire, puisque je prends vraiment soin de ma personne. Et avec les joueurs maintenant, comment ça se passe dans cette période de confinement? Est-ce qu'il y a, on sait que les réseaux sociaux sont à la mode, notamment les groupes WhatsApp. Est-ce que par un groupe WhatsApp, vous personnellement avec les joueurs, vous échangez pour leur offrir un programme de travail? Justement, c'est le moyen le plus approprié, les réseaux sociaux via WhatsApp, Facebook. Mais avant cela, je crois que nous, on a donné un programme de travail à ces joueurs depuis le début de ce confinement. Ils avaient eu un programme qui allait sur 2 semaines. Après les 2 semaines, donc, on a eu encore à le renouveler, en ajoutant bien sûr quelques éléments de plus. Plus ça dure, plus le travail aussi, n'est-ce pas, il est fait d'une autre manière. C'est pour cette raison que chaque jour, je suis en communication avec mes joueurs. Via le WhatsApp, comme je l'ai dit, on communique et puis on prend vraiment du plaisir à discuter entre autres
Je vous donne aussi une anecdote, c'est que mon gardien de but, Menduga, Onuga. il a fait un challenge avec moi. Il a fait des pompes en Ah ouais, disant c'est que vrai que pour voilà. ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, on vous a vu, je crois que c'était dimanche matin, lui fait avec une vidéo de pompe. Justement, Donc c'est un donc, challenge que vous avez lancé on a avec fait un désormais avec challenge Onuga. avec Manduga, que je salue déjà. Il a dit, ah oui, dire que bon, voilà, le coach, je suis à ton challenge, je pense que je ferai plus que ça. Je sais qu'il est plus fort, il est plus puissant. Et puis, on rigole vraiment entre-temps, et ça fait plaisir de comprendre que malgré le confinement, on est en contact permanent avec nos joueurs. Et ceci nous permet effectivement de rester dans la mouvance, n'est-ce pas, qui est celle de ne pas perdre le lien avec tous ces enfants. Et aujourd'hui, avec l'administration de l'Union sportive de Douala, le président Franck Capi, le directeur sportif Koloko et d'autres coéquipiers et partenaires, notamment le coach adjoint, quelle est la méthode de travail? Comment est-ce qu'on fonctionne? Non, justement, avec les adjoints, je crois qu'on est permanemment aussi en contact avec le coach Ina, le coach Moselle, le coach Tenkor. Ils savent effectivement qu'on a fait un programme de travail en commun auquel chacun sait effectivement ce qu'il faut faire. Ce que nous, on a à faire maintenant, c'est de rester en contact téléphonique. On discute permanemment avec l'administration. Déjà, le directeur sportif Koloko, que je suis plus en contact avec lui. Ça fait plaisir effectivement de comprendre que chacun est imprégné dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour cette raison que le souhait que les choses se normalisent rapidement, parce que plus ça dure, plus les choses se compliquent. Mais vous savez, Franck Eric, je crois que la santé avant tout, on est obligé d'accepter la situation actuelle. Mais le souhait pour nous, et même les joueurs, c'est que la situation se rétablisse, pour que, n'est-ce pas, on puisse rentrer encore dans le travail quotidien qu'on a l'habitude de faire. Avant de continuer, coach, aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment les 13 mesures du Premier ministre chef du gouvernement quant au quotidien désormais des Camerounais. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez conscience de ces mesures? Est-ce que vous respectez ces mesures-là? Justement, il faut se mettre vraiment à niveau. Il faut respecter ces mesures qui sont données, n'est-ce pas, par le gouvernement de notre pays et même l'Organisation mondiale de la santé qui donne des conseils auxquels il va falloir vraiment s'arrimer pour être à l'abri de toute contagion. C'est pour ça que ce n'est pas le problème d'une seule personne, c'est le problème de tous. Moi, je fais tout, n'est-ce pas, pour rester dans les normes, n'est-ce pas, pour pouvoir préserver la santé, non pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Vous restez confiné. Je reste confiné et je sors effectivement quand c'est vraiment hyper important. Peut-être aller chercher de quoi ravitailler la maison, mais quand je vais sortir, je prends toutes les mesures. Je mets le masque et puis quand je vais dans un supermarché, je prends soin de pouvoir laver les mains afin de pouvoir, n'est-ce pas, prendre contact avec les vendeurs qui sont là. Et puis dans le marché en commun, je n'y vais pas. Vraiment, sincèrement, je ne vais pas au marché Ok. où il y a de l'attroupement et autres. Moi, je vais dans le supermarché et les mesures de sécurité ont été prises dans plusieurs supermarchés, vous le savez. Il y a des supermarchés qui font déjà des tests, n'est-ce pas, de la température de tout un chacun. C'est pour cette raison que le conseil est vraiment de pouvoir respecter les règles qui sont données par l'administration du pays. Et je crois que si c'est fait, d'ici quelques temps, on aura vraiment beaucoup de sécurité, n'est-ce pas, pour notre santé. Ça veut dire, vu de ce que vous expliquez, coach, vous avez conscience quand même que cette maladie ou alors cette pandémie est bel et bien réelle, parce qu'il y a quand même, c'est vrai que beaucoup de personnes nous regardent, beaucoup de personnes nous écoutent, il y a quand même qui pensent que c'est un simple montage, que c'est pas quelque chose d'aussi grave que ça. Plus encore que ça n'atteint pas un Africain, même si on connaît, on a malheureusement perdu des légendes. Manu Dibango ou encore Pape Diouf au Sénégal, on a perdu beaucoup d'Africains, des légendes africaines, beaucoup d'autres personnes proches de nous à cause de cette maladie. Mais il y en a qui n'ont pas toujours conscience de l'existence de cette pandémie, de ce virus-là. Non, je crois que c'est une erreur que certaines personnes sont en train de faire. La maladie, elle résiste et c'est très compliqué aujourd'hui de comprendre que certaines personnes n'y croient pas. On a plusieurs cas qui sont déjà annoncés par le ministre de la Santé et on fait effectivement qu'ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir soigner ceux qui sont déjà atteints. Et on a des morts, n'est-ce pas, qui
les personnes autistes qui n'ont pas pu réussir à pouvoir tenir le coup. Non, le mal est là. Il est question vraiment que chacun soit conscient et puis prendre ça en mesure de pouvoir se protéger et protéger, n'est-ce pas, son environnement. C'est pour cette raison que moi, j'attire l'attention de tous ceux qui nous suivent, effectivement, de comprendre que le mal, il est là, il est déjà chez nous. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut combattre ce mal pour que, n'est-ce pas, il disparaisse. Non, le virus, il est là. Il va falloir prendre toutes les mesures nécessaires, n'est-ce pas, pour ne pas rentrer dans cette contagion. Parce que quand vous contactez le virus, vous pouvez aussi encore le propager à d'autres personnes. C'est pour cette raison qu'il est question vraiment de rester très discipliné et de savoir effectivement que le corona, il est déjà chez nous. Et ce n'est qu'ensemble, n'est-ce pas, qu'on peut le combattre. Et je crois que le meilleur moyen, c'est le confinement. Rester à la maison et respecter les règles qui sont données. Et comme ça, ceux qui sont contaminés seront soignés et il n'y aura pas, n'est-ce pas, la contagion qui va continuer à s'élargir. C'est en tout cas, nous, à notre niveau, Wacam, Eric Martial et moi, nous sommes conscients de ce que c'est une pandémie qui existe. Nous savons quelles sont les mesures que vous prenez. On a été confrontés à ça à notre arrivée ici. On n'a pas eu la chance, malheureusement. On aime bien le fait de pouvoir se serrer la main. Vous nous avez passé à un protocole nécessaire et désormais obligatoire dans votre domicile, puisque nous y sommes bien, pour éviter avec ces gels désinfectants et plusieurs autres mesures encore. La famille aujourd'hui, on sait que vous avez de la famille du côté de l'Allemagne. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous en parlez constamment lorsque vous êtes au téléphone? Est-ce que vous parlez de cette maladie? On sait que de ce côté-là également, ça existe. Il y a un confinement qui est fait de ce côté-là. Il y a même déjà beaucoup de morts également du côté de l'Allemagne. On va dire les 75% de votre famille se trouve du côté de l'Allemagne. Est-ce que vous en parlez constamment? Justement, je suis en contact permanent avec la famille de l'autre côté. Et tout est rassuré que de leur côté, il n'y a vraiment pas de problème parce que la famille prend vraiment soin d'elle. Les gens sont conscients effectivement qu'il va falloir respecter, n'est-ce pas, les règles qui sont données. Je suis en contact avec toute la famille et les règles sont vraiment très respectées là-bas puisqu'il y a de la pénalité, n'est-ce pas, que vous risquez de pouvoir retrouver en Allemagne quand vous ne respectez pas les normes. Ça va vraiment une très forte amende et de ce fait, tout le monde est, n'est-ce pas, sérieux de ce côté, sachant que la mort, vous pouvez la retrouver dès que vous n'êtes pas assez discipliné. Mais non, tout va bien là-bas de l'autre côté. Ce qui est maintenant, c'est d'attendre effectivement que les choses se normalisent. Mais la famille me rassure qu'il n'y a pas de souci, mais je suis vraiment en contact permanent toujours avec la famille, n'est-ce pas, pour sur le plan moral aussi et psychologique, les remonter. Mais surtout inquiet. Ça, il faut oui, dire, oui, Franck et Eric, on est inquiet puisqu'on ne sait pas effectivement comment ça va se passer. Mais comme on le dit, on reste en prière, on essaie tout de suite, comme on l'a dit déjà, de pouvoir respecter, n'est-ce pas, les règles, rester à la maison, se confiner, ne pas prendre des contacts n'importe comment et autres. Je crois que si on le fait d'ici quelques semaines, quelques mois, les contaminés vont, n'est-ce pas, être soignés et on aura vraiment réussi à pouvoir éradiquer ce virus qui est un virus qui fait vraiment du mal à tout le monde. Ok, on est en direct, on le rappelle, et à l'ASI Média, on échange beaucoup. C'est vrai que vous connaissez déjà le Média, on a eu à faire plusieurs matchs de l'Union en direct. On échange également avec plusieurs internautes. On va saluer Franck Elon qui encourage l'initiative. On va saluer également Fred Kaji qui encourage l'initiative. Lui, il dit qu'il est en direct depuis la Russie. Ils sont nombreux déjà à nous suivre dans ce direct et qui aimerait bien savoir aujourd'hui, au-delà de ce confinement, coach, est-ce que vous avez l'impression que cette période aura un véritable impact sur la fin de saison en championnat? On rappelle qu'il reste 6 journées seulement à jouer. Oui, c'est tout à fait clair, Franck Eric. Si vous jouez tout un championnat et que, à quelques journées, n'est-ce pas, de la fin de ce championnat, un coup comme celui-ci arrive et que vous vous reposez pendant, aujourd'hui on est déjà presque à 4 semaines et on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est tout à fait clair pour moi que ça sera vraiment très compliqué à la reprise, puisque malgré le programme que vous allez donner à vos joueurs, le travail
travail individuel ne peut jamais remplacer, n'est-ce pas, un travail qui est tout fait en commun. Qui est collectif et qui est surtout dirigé sur le terrain. Dirigé par des encadreurs qualifiés. Et c'est pour cette raison que, après ce confinement, quel qu'en soit le cas, on sera obligé de reprendre la préparation foncière. Parce que vous allez passer 6 semaines, malgré que les joueurs ont un programme, on va encore les récupérer, essayer de travailler avec eux encore, n'est-ce pas, sur le plan athlétique, qui n'est déjà pas facile. Vous savez, une bonne préparation, c'est minimum 6 à 8 semaines. Et je ne pense pas que, après que tout soit calme, qu'on puisse donner aux équipes 6 à 8 semaines pour se préparer et après jouer 6 matchs. Non, ça sera très compliqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre, après ce confinement, à avoir les mêmes performances. N'est-ce pas que ces équipes ont eu à donner pendant qu'elles étaient en plein championnat? C'est un peu ça. Surtout le même niveau de jeu qu'on a pu observer lors des 5 dernières journées avant l'arrêt. Oui, le niveau il était déjà très élevé. C'est pour ça que quand il y a un break comme celui-ci, vous comprenez effectivement que tout est relâché. Et il va falloir remobiliser encore les forces, repartir encore sur une nouvelle base, une bonne préparation encore. On ne pourra pas jouer les matchs amicaux et c'est compliqué. Et si aujourd'hui le confinement finit et qu'on dise que ben voilà, aujourd'hui c'est le 10, le championnat il va reprendre le 20 ou le 22, vous comprenez effectivement que ce n'est que l'équipe ou les joueurs qui ont eu à pouvoir être professionnels dans la chose qui pourront s'en sortir. Et même du côté de l'Occident, les gens sont conscients qu'on ne peut pas laisser ces joueurs travailler tout seuls. C'est pour ça, avec les amis, mes amis qui sont entraîneurs en Allemagne, j'ai des contacts avec eux. Ils ont dit qu'ils sont déjà en train de reprendre les entraînements par groupe. On fait un groupe des joueurs, peut-être okay. 2-3 joueurs qui partent travailler avec un encadreur technique qui doit suivre ces joueurs au quotidien. Puisque vous ne pouvez pas travailler seul, vous en sortir, Franck Eric. Quand vous travaillez seul à un certain niveau, vous êtes fatigué, vous vous arrêtez, malgré que le programme il est donné. Alors que si vous êtes 3-4 joueurs, ils sont déjà en train de pouvoir peaufiner les joueurs par un certain groupe qui sortiront, ils auront travaillé. Et après cela, quand tout sera normalisé, avant que tout le monde se remette, n'est-ce pas, au service du staff technique entièrement, on aura quand même récupéré certains de ces joueurs sur le plan athlétique. Parce que c'est là, le véritable problème ne se trouve pas au niveau technique, ça se retrouve au niveau, sur le plan athlétique. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, garder ces joueurs sur le plan physique pour que à la reprise ils soient capables de pouvoir tout de suite donner de la vitesse, quelque chose qui n'est pas tout à fait évident. C'est pour cette raison que je dis dès qu'on reprendra après ce confinement, ça ne sera pas facile pour ces joueurs. Et comme je le dis une fois de plus, ce n'est que les joueurs qui sont tout à fait professionnels en suivant bien le programme qui pourront, n'est-ce pas, à la reprise, n'est-ce pas, joindre un peu le bout. Ok, on va dire bonsoir également à notre ami Leroy Tuisseux. On va saluer également Carnot Dondio qui nous reçoit depuis Paris. On va saluer une fan supportrice de l'Union Sportive de Douala, Dorian Esso, qui est également en direct avec nous, tout comme Junior Landry. Mais coach, au niveau de l'Union Sportive de Douala, est-ce que on ne s'est pas dit il faut anticiper et pourquoi pas envoyer les joueurs faire le test déjà de la maladie et pouvoir commencer un entraînement de groupe de 3 à 4 joueurs pour suivre cela? Vous savez, Eric, tout le monde est sous une situation où la peur est installée. Ouais. Nous ne sommes pas en Occident. C'est-à-dire qu'il y a de la peur qui s'installe. Et même étant un parent aujourd'hui, même si les gens vont aller travailler en groupe, moi, je ne serais pas prêt à laisser mon fils, n'est-ce pas, aller dans la nature, aller travailler avec les autres. Non, je dis, il va falloir vraiment faire attention parce que là, nous sommes dans une situation qui est vraiment très critique. Et c'est pour cette raison qu'il est mieux de sauvegarder, n'est-ce pas, la santé de ces joueurs. Attendons que tout soit encore bien normalisé. Et avant que ces joueurs ne reprennent effectivement les entraînements, je crois qu'ils vont passer, n'est-ce pas, tous ces tests qui vont effectivement rassurer qu'ils sont tous en santé. On pourrait bien le faire, mais je dis, c'est vraiment pas aujourd'hui conseillé de laisser ces joueurs, n'est-ce pas, aller travailler avec les autres sans toutefois être persuadé que la contagion, ça peut se faire à n'importe quel moment, Franck Eric. Vous pouvez être en santé aujourd'hui et puis demain matin, vous avez la maladie que vous transportez avec vous. C'est pour cette raison que ceux qui sont en Occident, ils ont vraiment tous les moyens appropriés de pouvoir rentrer dans les tests tous les jours possibles et ça les rassure encore, mais c'est des équipes encore plus avancées que les nôtres. C'est pour ça qu'il est question aujourd'hui pour nous d'être conscients
se confiner, rester à la maison et être tout à fait patient. Parce que moi, je crois que c'est là le mot-clé. Il faut être patient en attendant que les choses, n'est-ce pas, se normalisent. Merci à tous ceux qui nous regardent dans ce direct. Merci surtout d'aimer, de liker, mais également de partager pour amener d'autres personnes à suivre avec nous ce direct du coach Richard Towa, entraîneur actuel de l'Union sportive de Douala. Il est arrivé et l'Union avait terminé la phase aller, on va le dire, 17e. Avec 17 points simplement en 17 journées de championnat, soit un point pris par match. Désormais avec vous, l'Union de Douala est dans le quintet de tête. Il n'est pas loin, on l'a rappelé, il y a 6 points, il y a 6 journées, il y a encore 18 points à prendre. Est-ce que l'Union aujourd'hui, pour parler enfin de Nassara Gamakai, a la prétention, peut-être pas, d'aller chercher le titre de cette saison? Non, je crois qu'il faut rester vraiment humble. Si... À un certain moment, vous avez dit que l'Union devait être dans cette position aujourd'hui, vous n'aurez jamais cru. C'est pour ça que restons vraiment dans l'humilité de comprendre qu'on a traversé une étape vraiment qui était tout à fait très difficile. Et c'était ça l'objectif déjà, de pouvoir maintenir cette équipe, n'est-ce pas, dans le championnat, qu'on soit hors de la relégation. Chose qui est faite aujourd'hui, on a besoin d'une victoire ou deux pour, n'est-ce pas, être tout à fait rassuré que la saison prochaine, l'Union évoluera en élite. Non, j'ai dit, c'est un travail qui a été vraiment fait d'une manière collective. Ça n'a pas été facile, mais je crois que tout le monde a mis la main dans la pâte. C'est pour ça que les résultats d'aujourd'hui, moi personnellement, ça ne peut pas me surprendre. Puisque quand on a pris l'équipe, on a vu où il y avait les problèmes. On s'est mis ensemble avec la direction administrative, les joueurs, le staff médical et tout le monde. On a eu à travailler vraiment collectivement et c'est pour ça qu'un travail collectif, il est toujours, n'est-ce pas, appelé. Aujourd'hui, on voit le résultat de l'Union de Douala, non, c'est pas le coach Towa seul. Il est bien vrai que je suis le pilote de cette structure. Mais vous êtes comptable des victoires et des échecs. Si on doit tirer sur vous lorsqu'il y a échec, on doit également vous féliciter s'il y a victoire. Bien sûr, je l'accepte. S'il y a défaite, c'est l'entraîneur principal qui n'est pas indexé. Mais quand il y a aussi la réussite, qu'on ne se penche pas seulement sur l'entraîneur principal, qu'on regarde comment est-ce que le travail a été fait. C'est pour ça que je salue le travail qui est fait par le président du conseil d'administration, Franck Appy, le directeur sportif Koloko, sans oublier Petit Paul Jouffa. Petit Paul Jouffa. N'est-ce pas, qui est vraiment quelqu'un qui m'a donné beaucoup de soutien quand je suis arrivé. Tout le monde m'a accepté, et Franck Eric, il va falloir le dire. Le docteur Diaga, n'est-ce pas, qui est au quotidien avec moi, le kiné Patrick Giné, l'entraîneur des gardiens, le coach Tenko, l'entraîneur adjoint Moses, et puis le jeune Ina, qui venait d'arriver pendant ce mercato, est quelqu'un qui est venu vraiment nous donner la certitude dans ce qu'on est en train de faire, qu'un travail en commun peut être vraiment très bien fait. C'est pour ça que tous ces gens, ils ont vraiment beaucoup contribué, puisqu'on était tous ensemble, on fait un travail quotidien, où tout le monde était impliqué, même les entraîneurs qui sont là comme des stagiaires, comme le coach Yannou et le coach Georges qui travaillent avec l'équipe junior, sans oublier Colimor qui est l'entraîneur de l'équipe réserve. Non, on a mis vraiment on s'est mis tous ensemble. C'est pour ça que la réussite aujourd'hui, on ne peut pas seulement dire que c'est le coach Towa. Non, il est bien vrai que j'ai impliqué une philosophie auquel chacun dans ce staff s'est adhéré. Et c'est pour ça que le résultat, il a suivi. Il va falloir vraiment souligner, Franck Eric, que les joueurs, c'est-à-dire que c'est la matière première. Et ces joueurs, ils ont adhéré au projet. Ils ont accepté souffrir. Je leur avais dit que ça ne devait pas être facile. Pendant qu'on a eu le mercato en décembre, où il y a eu quelques jours où les gens devaient aller au repos, non, ces joueurs ne se sont pas reposés. Ces joueurs ont passé le temps à travailler deux fois par jour. Ils étaient au parcours Vita, ils étaient, n'est-ce pas, au centre d'accueil. Matin et soir, ils ont travaillé. Ils ont accepté, n'est-ce pas, se mettre dans cette difficulté qui n'était vraiment pas facile, puisque je connais le rythme de travail dont ils ont été soumis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur tiens un coup de chapeau. Et les résultats ont suivi. Au début, on s'inquiétait. Quand on a fait 4 matchs nuls, on a eu 2 défaites sur 6 matchs. Moi, j'étais tout à fait persuadé que la qualité, il y a de la qualité dans ce groupe. Et après cela, j'avais dit... Parce qu'il y avait un travail progressif qui avait été musclé. Effectivement, il y avait un programme qui était fait et je disais à mes joueurs d'être patient. C'était ça le mot-clé pour moi, de leur faire comprendre que le travail qu'on est en train de faire maintenant, vous verrez les résultats, n'est-ce pas, à la phase de retour.
Il va falloir dire que souligner vraiment que j'ai la chance d'avoir un capitaine, Samuel, qui vraiment a su mobiliser toute l'équipe. Parce que vous pouvez tout faire étant le staff technique, mais vous ne savez pas ce qui se passe effectivement entre les joueurs. Et c'est là le plus difficile. Le travail le plus difficile, c'est celui-là, de trouver quelqu'un qui est capable de rassembler ses amis ensemble. Malgré que Samuel Lenny était permanemment avec l'équipe nationale à prime, mais il a joué un très grand rôle dans le maintien de cette équipe. Je peux vous le dire maintenant via les réseaux sociaux. C'est un garçon que j'adore. J'ai eu à détecter ce monsieur à l'âge de 15 ans. Il me donne raison aujourd'hui qu'après une dizaine d'années, il est le joueur camerounais sur le terroir auquel tout le monde est tout à fait persuadé que ce gars il va jouer dans l'équipe nationale du Cameroun étant ici dans le championnat camerounais. C'est pour cette raison que je suis fier d'avoir un gars comme celui-là qui a vraiment été une bonne courroie de transmission entre l'administration et le staff technique et en plus maintenant avec ses joueurs, auquel il était tout le temps en train de motiver ses joueurs, malgré que c'était difficile. On a eu à perdre des matchs où tout le monde était déboussolé et tout cela. Il a fallu à Samuel Lenny pour faire encore recours. C'est pour ça que moi, personnellement, j'étais très tranquille quand je savais que lui, il était là, il faisait le job, auquel, n'est-ce pas, beaucoup ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Vous faites bien parler du cas Samuel Lenny, coach Richard Toa. Et vous l'avez d'ailleurs dit, les réseaux sociaux et certains journalistes, certaines presses, à un moment, on dit qu'entre vous et Samuel Lenny, le pont était cassé, il n'y avait plus de communication, que le coach Richard Toa avait affirmé que Samuel Lenny n'était pas le joueur qu'il fallait comme capitaine. Vous vous souvenez effectivement de cette histoire. On vous a même prêté une interview que vous n'avez jamais accordée à personne. Mais très vite, vous avez tenu à recadrer les choses. Le joueur également que nous avons eu a fait part des échanges que vous avez constamment entre vous, coach, qui est pour lui non seulement coach, mais également un père, parce que comme vous l'avez dit et il l'a confirmé, vous êtes celui-là qu'il avait détecté et vous l'avez révélé au haut niveau. Ben, je crois que ceux qui ne connaissent pas le lien qu'il y a entre l'un et moi peuvent, n'est-ce pas, dire certaines choses qui ne tiennent pas la route. Je dis et je répète que ça fait 10 ans que je connais ce jeune joueur et il sait très bien que j'ai été toujours très dur avec lui. Il va falloir le dire. Il faut le souligner. J'étais toujours très dur avec Len. Pourquoi? Parce que je pense que le niveau que Len a, il ne mérite pas de pouvoir rester à ce niveau-là. C'est pour ça que... Il peut faire bien plus. Si, il est plus fort que ça. C'est pour ça que je ne lui ai jamais fait du cadeau. Quand je suis arrivé à Len, il était content que je sois là. Mais je lui ai dit, effectivement, mon cher ami, tu sais très bien ce que moi j'attends de toi. Ce n'est pas seulement jouer, non. Tu dois jouer pour être le joueur qui doit défendre les couleurs, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de demain. Il le sait très bien. Non, le lien que Len et moi nous avons, il n'est même pas question qu'on se mette à penser qu'il peut y avoir un problème entre Len et moi. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas. C'est les mauvaises langues qui peuvent penser à des trucs pareils. Je dis, le lien Len et Richard Toa, ce n'est plus un lien joueur et entraîneur. Donc, c'est un lien qui est... Donc, je le détecte avec les moins de 17. Avant la sélection. Moi, il est le capitaine de mon équipe. Il a fait les jeux en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, je l'ai amené. Il a joué contre l'Égypte, étant le capitaine de l'équipe. Ben, vous pouvez comprendre effectivement que le lien, Richard, tu vois, ce n'est plus un lien normal, quoi. Donc, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Il était permanemment avec l'équipe nationale. Et comme j'ai dit, il a joué un très grand rôle pour le succès que nous avons aujourd'hui. Et je répète encore une fois de plus que je suis très content de le voir travailler avec nous. Et je suis sûr et certain que Len et moi, on fera encore plusieurs années ensemble. Et ça va me faire plaisir, effectivement, de comprendre qu'un joueur que j'ai détecté il y a 10 ans, ne fait que, il fait que me donner raison. Il n'est pas le seul. Il y a Andoulou Serge, que vous connaissez. Ouais. Serge Andoulou qui est dans l'Union de Douala, qui est aussi international à prime. C'est les enfants que j'ai pris il y a une dizaine d'années. Donc, la détection, pour moi, ils sont en train de confirmer, effectivement, que je ne m'étais pas trompé, n'est-ce pas, sur le travail que j'ai eu à faire avec eux. Non, il n'y a que des mauvaises langues qui peuvent penser des choses comme dans ça. Dans ce travail de détection, hein, vous avez ouvert la parenthèse détection,
Il y a également Arun Andam qui nous a confié dans notre première émission hier que c'est vous, Richard Toa, qu'il avait détecté très jeune. On le forçait à jouer latéral. C'est sous vous qu'il a commencé à jouer avant-centre. Et il l'est jusqu'à aujourd'hui. Il a déjà joué professionnel. Il a été ballon d'or camerounais à ce poste-là. Ça veut dire que vous êtes resté dans ce créneau du détecteur de talent. Et aujourd'hui, ça se poursuit avec l'Union. Oui, Franck Eric, plusieurs personnes ne le savaient pas. C'est bien que vous fassiez allusion, n'est-ce pas, sur le cas d'Ang Aruna. D'Ang Aruna, c'est le joueur que moi j'ai même pris dans Renaissance de Ngoumou. Beaucoup ne le savent pas. Je le détecte à Ismaco de Sarr via l'entraîneur Nzana Stéphane, qui est l'actuel entraîneur des moins de 17 ans de l'équipe féminine. Mm-hmm. Il était l'entraîneur de Ismaco de Sarr. Et je suis allé donc regarder l'un de ses matchs, j'ai vu D'Ang Aruna. J'ai dit, attends, ce joueur, il a une qualité exceptionnelle. Et j'ai eu à discuter avec lui et je le prends de Ismaco pour Renaissance de Ngoumou. Et après, j'ai vu l'évolution de ce garçon. Aujourd'hui, moi, je dis, je suis content d'avoir un joueur comme ça. D'Ang Aruna a une qualité que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. C'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Il a le profil qu'on est en train de chercher, n'est-ce pas, du côté de l'Occident. Spécialement en Allemagne, un joueur comme celui-là. Il sait bien qu'il y a de cela quelques années, quand il allait en Argentine, je l'avais appelé à 2 jours qu'il parte, je crois 1 ou 2 jours qu'il aille en Argentine, parce que j'étais en stage avec Saint-Pauli, Saint-Paul Lyon, ça se dit en Allemagne, l'équipe de Hambourg, auquel mon ami qui est Van Linden, celui avec qui j'ai partagé de très bons moments, il était l'entraîneur principal de cette équipe, il m'a demandé le profil d'un joueur comme celui-là, j'ai eu appelé Ndang Aruna. Pour lui dire, écoute, moi j'ai l'offre pour toi à Saint-Pauli en Allemagne. Il m'a dit, coach, voilà, je suis vraiment, je ne suis plus là, je suis en Argentine. J'ai dit, putain. Donc, c'est pour vous dire, effectivement, moi je crois beaucoup à ce joueur parce qu'il a des qualités énormes. Et puis, c'est un garçon qui a un mental vraiment hors norme. Ouais. C'est un travailleur. Et un joueur comme celui-là n'a pas que réussi, Franck Eric. Donc, c'est le joueur d'avenir. Moi, je dis aujourd'hui, ça me, je ne me trompe pas en disant que. Voilà, c'est le garçon que j'ai eu à détecter. Aujourd'hui, il me donne raison. Il a vraiment beaucoup de la qualité. C'est pour ça que je salue ce qu'il est en train de faire. Quand vous regardez dans sa page, il est en train de travailler comme quelqu'un qui est en train de pouvoir préparer un match le lendemain. Il travaille d'une manière vraiment exceptionnelle. C'est des gars qui ont des qualités exceptionnelles, comme Samuel Lenn et autres. Aujourd'hui, je suis un entraîneur comblé. Et pourquoi, si vous avez dans votre équipe, comme celle de l'Union de Douala, vous avez 2 joueurs qui sont dans l'équipe nationale à prime. Et vous avez un joueur, le plus jeune, qui est appelé à l'équipe nationale A. Je parle d'Aboubakar Sidiki. Je vous donne une anecdote par rapport à Sidiki. Quand je viens à l'Union, je commence à travailler avec Sidiki, je regarde le petit. Sidiki, un matin, vient, il me voit, il me dit, coach, vous êtes un entraîneur national. Vraiment, je voulais que vous essayiez de voir comment est-ce que je peux aller à l'équipe nationale junior. Et je l'ai appelé de côté. Je lui ai dit, tu me dis encore ça, je vais te donner une baffe. Je dis, Bussier, tu es fou ou quoi? Tu veux jouer chez les juniors? Tu penses que tu ne peux pas jouer dans l'équipe nationale A du Cameroun? Il était. Abasourdi? Oui, il était étonné. Je dis, avec ce que tu fais à l'entraînement, et les qualités que je vois chez toi, et les matchs que tu es en train de faire, moi je doute fort que tu ne puisses pas être appelé dans une sélection comme celle de l'équipe nationale A. Et alors, incroyable. Il a dit, coach, j'ai compris, je me mets au travail. Il dit, hé, tu te mets au travail, vas-y travailler. Il veut jouer chez les juniors. Tu crois qu'à ton âge, tu ne peux pas jouer chez les seniors. Effectivement, quand on allait jouer, je crois, UMS à Loum, la liste est sortie qu'il était effectivement, appelé à l'équipe nationale. Ah, quand on est descendu du car, il est venu sauter sur moi. On a même failli aller tous les deux au sol. Il m'a dit, papa, si vous me dites aujourd'hui d'aller tomber dans le fleuve, vous régirez parce que je crois à ce que vous me dites. Et c'est comme ça qu'on acquiert la confiance d'un joueur et d'un entraîneur. Effectivement. Coach, on a parlé effectivement de cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions en direct là pour vous. On va dire bonsoir à Abdourahmani Foupouanini, Dietche qui nous regarde depuis l'Italie, Edmond Fautier également, Simani Kameni, et beaucoup de personnes, beaucoup posent des questions. On aura le temps à la fin du programme de prendre quelques questions des téléspectateurs. On va rester avec l'Union sportive de Douala aujourd'hui.
Coach, la saison, elle est quasiment terminée. C'est vrai qu'on sait quel était le contrat qui vous liait à l'Union Sportive du Douala. Il fallait venir sauver le soldat Union qui était en grande difficulté. Aujourd'hui, c'est quasiment fait, on va le dire, à 80-85%. Est-ce que vous êtes prêt à renouveler le contrat avec l'Union Douala ou avec un autre club du championnat camerounais qui vous proposerait un véritable projet? Parce qu'on sait que vous êtes un entraîneur qui travaille sur des projets et non pas sur des contrats à court terme. J'ai eu, n'est-ce pas, cette responsabilité et déjà cet objectif qui a été fixé au départ avec le président du conseil d'administration, qui était sauver l'Union de Douala par rapport à la situation où l'équipe se trouvait. Chose qui a été faite par un travail en commun, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on a eu à réaliser ce qui était vraiment très difficile. Et je suis quelqu'un qui aime le défi. Moi, quand j'ai pris cette équipe, moi, j'ai dit, je vais aller. Je vais le faire. Et quand j'arrive dans l'Union, j'ai dit à mes joueurs, j'ai eu affaire à réaliser des défis qui dépassent celui qu'on est en train de vivre actuellement. Pour la bonne mémoire, je prends Renaissance de Ngomou Relega. À l'époque, j'étais Relega. Le président Benapé à son âme et le ministre Atanakuna sont venus me voir. J'étais en train de visiter. J'ai regardé l'équipe pendant 2 jours, j'ai dit j'accepte le défi et je l'ai réussi. J'ai réussi à maintenir Renaissance. Et l'année qui suivait, je suis donc parti à AS Douala. Étant dans AS, j'étais le directeur technique, l'entraîneur principal c'était Alexandre Belinga qui a été recruté par moi. Étant dans AS, il y a encore un problème parce que le président de AS Douala est le même qui dirige l'équipe de Fovu de Baham, l'équipe de son village. Fovu était en difficulté. Toute la phase allée, l'équipe a fini avec 9 points. 9 points. Il vient me voir, il me dit, coach, si l'équipe de Baham descend, j'aurai des problèmes avec le village. S'il te plaît, va sauver cette équipe. J'ai regardé, j'ai dit, président, je n'ai aucun problème avec. Moi, j'y vais. Quand j'y vais, quand j'y suis allé, je crois que tes confrères, tout le monde a dit qu'il était. Il fallait un miracle Pour sauver, faut pour vous le sauver bas. Fovu de Baham. 9 points, toute la phase allée. Je suis arrivé à Baham et à la fin du championnat, on a fini 5e. Après cela, je prends un dragon de Yaoundé, une semaine de préparation. On se souvient du grand dragon. Voilà. Le La dragon qui seule était équipe. quasiment en perte. Le dragon était vraiment en perte. Je salue le président quand même, Max, et je salue l'effort qu'il fait vraiment avec tous ces jeunes. C'est pas évident. Vous savez que c'est compliqué. Sur le plan financier aujourd'hui, avec les équipes, ce n'est pas seulement une seule équipe. Plusieurs équipes souffrent de déficit de caisse. Alors, la seule équipe où j'ai eu à entraîner véritablement en faisant la préparation comme il faut, de 2 mois, 2 mois et demi, c'est Fetch FC. Voilà, c'est la seule équipe où j'ai pris, En début de en saison, début de saison, où avec j'ai la fait préparation la physique préparation générale. physique générale. Et avec cette équipe, j'ai été champion de ma poule. Il fallait aller au playoff et jouer 4 matchs pour être champion du Cameroun. Mais Donc, c'est. qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question qui, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à se l'expliquer. On ne comprend pas. J'ai un ami qui vous apprécie beaucoup, Soumangourou, qui effectivement avait la ferme conviction que vous auriez été champion du Cameroun avec Feutu FC Lediko Banjoun. Vous avez pris cette formation de Feutu, c'était la saison dernière, en début de saison, où le championnat se jouait sous deux poules. Vous avez été champion de la poule A, et à quelques heures, À 3 journées de à la trois fin, journées de la j'étais déjà fin, vous champion du étiez monde. déjà champion. Il manquait encore 3 matchs. Je me souviens, je faisais le voyage pour Garoua avec l'Union Sportive de Douala pour le match Coton-Union. J'ai eu l'information, je vous ai contacté. Vous m'avez dit non, incompatibilité d'humeur, je vais arrêter. Je vous ai demandé, mais il y a un titre de champion, coach. J'avais dit non, ce n'est pas ça le plus important. Dans la vie, la relation humaine est beaucoup plus importante. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Si aujourd'hui, les téléspectateurs de l'AS Média peuvent avoir la primeur de savoir ce qui s'était réellement passé Non, avec le c'était président. l'incompatibilité d'humeur, comme je vous l'avais dit. Je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la langue de bois. Je n'étais pas d'accord avec certaines décisions du président, auxquelles je lui ai dit, si vous voulez fonctionner de cette manière, moi je ne peux pas continuer. Il a cru peut-être que c'était de la blague. Non, je lui ai dit, moi je ne fonctionne pas comme ça. C'est pour dire aux gens que je ne suis pas là parce qu'il faut que je sois champion. Ça, vraiment, c'est le dernier de mes soucis, ça. Pour moi, c'est le travail et être content du travail que je fais et que ce travail soit accepté.
Donc, j'ai dit au président futur, non, moi, je ne peux pas continuer à travailler dans cette manière, auquel on ne s'entend pas. Si on ne s'entend pas entre président et entraîneur, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que à la fin du championnat, il n'était pas d'accord que je parte. Mais j'avais cette impression que les choses ne devaient pas changer. Et donc, c'est un peu pour vous dire que c'était une très belle équipe que j'ai eu à bâtir. Et les joueurs, ils étaient vraiment désolés que ce soit ainsi, mais j'avais toujours attiré l'attention de mes joueurs. Que si à un certain moment, je ne me sens pas capable de pouvoir travailler dans le même contexte que j'ai eu à le faire, moi, je vais démissionner. Et c'est comme ça dans mes habitudes, Franck-Éric, puisque moi, je suis quelqu'un de très carré et très travailleur, et je suis pointilleux, et je suis très discipliné dans le travail que je fais. Moi, je suis un adepte de la discipline. Un Et quand véritable vous allez, Allemand. oui, quand vous allez hors de la discipline, moi je ne suis plus avec vous. C'est pour cette raison que aujourd'hui j'ai pris l'union de doigts là. Je vous rassure que j'ai eu la main libre Parce de faire. qu'effectivement, lorsque vous arrivez, je comptais effectivement vous relancer dessus. Beaucoup ont estimé qu'il aurait été compliqué pour vous de travailler avec le président du conseil d'administration de l'Union, M. Franck Appy. Parce que, disent-ils, il est difficile dans la façon de travailler. J'ai eu la chance de travailler dans la cellule de communication de l'Union, ça n'a pas été ça. On estimait que vous étiez deux fortes têtes et qu'il était difficile pour vous de travailler à l'Union de Douala. Mais je crois qu'un président du conseil d'administration qui est fort prend un entraîneur qui a aussi le caractère. Et si vous voulez un béni, oui, vous n'aurez jamais le résultat que vous attendez. C'est pour ça, quand Franck m'a contacté, j'ai dit je respecte ce que ce monsieur fait. Sans vraiment aller par quatre chemins, je vous dis, c'est quelqu'un qui connaît le football. Puisque lui et moi, quand on s'entretient, on est presque à 95% des mêmes idées. Donc, même pendant les matchs, quand je reviens dans le vestiaire, on discute, ils voient presque les mêmes choses que moi j'ai eu à voir. Comment est-ce qu'on ne pouvait pas donc travailler ensemble? Mais je vous dis seulement un seul truc. Quand je signe, j'ai dit à Franck, si tu as confiance que je peux te faire le travail, tu me laisses travailler. Il a été d'accord, il a dit, Richard, moi je crois à ce que tu peux faire. Tu as le feu vert de faire ton boulot. Et quand j'ai pris cette équipe, je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, avant que le confinement n'arrive, Franck Appy est venu à l'entraînement deux fois. Il est venu deux fois. Ouais, je suis souvent venu à l'entraînement, je ne l'ai pas vu. Voilà, Pourtant, constamment, il était là. il est venu deux fois. Et il ne m'a jamais, et c'est ce que moi je déteste, il ne m'a jamais influencé dans mon travail et dit pourquoi tu ne fais pas jouer tel et ceci. Non, non, il ne l'a jamais fait. C'est pourquoi que je dis le succès il est venu parce que le président et son entraîneur sont dans la même logique. Un autre a dit, ah, Coloco, vous n'allez jamais vous entendre avec Coloco, patati, patata. Mais je vous assure que c'est un parfait collaborateur pour moi. Peut-être qu'avec d'autres personnes, ils ont eu à travailler d'une autre manière, mais je dis, les faits pour moi, c'est un parfait collaborateur auquel il fait des voyages anticipés, il fait des voyages auxquels il prépare d'abord le terrain avant que l'équipe n'arrive. Donc c'est pour vous dire que moi j'ai eu à travailler avec des personnes, mais avec ces deux personnes, j'ai dit, on est dans la même logique. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir rejoint ce groupe où je fais mon travail avec beaucoup de plaisir. Et si ce n'est pas le cas, Franck-Éric, moi je vais vous le dire. Donc, ce qui est de l'avenir, si l'année prochaine, la saison prochaine, on s'entend dans la même logique, où on va dire que ce qu'on doit faire doit être vraiment respecté, sur les clauses, n'est-ce pas, du contrat et tout cela, pourquoi ne pas continuer? Mais si ce n'est pas le cas, je crois que c'est tout à fait normal dans notre domaine, dans notre profession, que si les conditions ne sont pas réunies, vous êtes normal, vous êtes obligé à faire, n'est-ce pas, des chemins tout à fait différents. Non, je reste vraiment très ouvert par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et je dis personnellement, je suis content d'avoir travaillé avec ce groupe et avec ces encadreurs qui sont là, le président du conseil d'administration, le directeur sportif, petit Paul Djoufa, qui m'a donné un soutien tout à fait vraiment très grandiose. C'est pour ça que je dis, pour moi, il n'y a aucun souci par rapport à ce niveau-là. Ok, coach, avant de sortir, on va prendre quelques questions avant et juste après, on rentrera dans la dernière phase de notre entretien. Il y a notre ami Simani Kameni qui pose la question. Monsieur Toa, que pensez-vous d'Echabé dans le 11 d'Union? Sa présence a-t-elle donné un plus à cette défense? Echabé, c'est le joueur que j'ai connu déjà plusieurs années avant. Vous savez qu'il avait à travailler avec moi à Fauvu.
Voilà, je dis seulement à celui qui nous suit actuellement, Simani Kameni. Simani Kameni, que j'avais, c'est presque un enfant pour moi. Je l'ai connu à Fovu. C'est avec lui que nous on a eu à sauver cette équipe de Fovu, où je vous ai dit avant, là, avec Namedi Willy, avec Simo, avec Pierre, avec Blanla. C'est ce groupe que j'ai eu à travailler avec. Et j'avais été l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Alors, Echabé vient dans l'Union, ce n'est pas moi qui le recrute. Il va falloir souligner que les gens comprennent. Ce n'est pas moi qui recrute Echabé. Echabé a été contacté par le président Franck Appy. Et quand le président Franck Appy me fait la proposition, il dit, si c'est Echabé, même si c'est à minuit, il faut qu'il arrive, puisque je connais ce joueur. Donc, il n'est pas le seul, c'est un véritable... Moi, c'est les joueurs que je pense aujourd'hui. Vous savez comment est-ce que moi, j'ai eu l'habitude toujours de me comporter, Franck-Éric. Dans l'équipe nationale A' qui est en train de jouer actuellement, là, je crois qu'Echabé il a largement la possibilité de pouvoir aider cette équipe. Sur les réseaux sociaux, ça se dit également. Il est vraiment solide défensivement. C'est pourquoi, si, à mon avis personnel, des joueurs comme Echabé, il n'est même pas question qu'on attende. Donc c'est un joueur qui nous a donné une plus-value dans notre défense. Il nous rassure sur toutes les qualités qu'il a. Il a tout ce qu'un défenseur, n'est-ce pas, a besoin d'avoir. C'est pour ça que quand on m'a parlé que Echabé, quand le président Appy m'a dit Echabé venait, j'ai dit Dieu Seigneur, merci d'avoir suivi mes prières, parce que c'est un joueur que je connais très bien. Il est venu pendant tous les matchs qu'il a joué. Il est arrivé, Echabé tout de suite a commencé. Après, il est arrivé, je crois, c'était un jeudi. Il a joué directement le match amical contre Dynamo. Il nous a prouvé tout de suite que j'étais présent, physiquement, tactiquement. Il nous a vraiment fait plaisir le premier match tout de suite qu'on allait jouer contre Dragon. Il a été aligné, il a fait un super match. C'est ce match où Samuel Lenn nous libère avec 2 buts avant d'aller encore avec l'équipe nationale. Il est venu me dire, mon père, il faut que ce match soit le début de l'enchaînement. Le début de l'enchaînement, il faut qu'on enchaîne des victoires, mais il faut qu'on passe par ce match. J'ai dit, petit, tu sais bien, moi je n'ai plus à dire. Toi, tu as tout le boulot, allez-y faire. Il nous a flanqué 2 buts et Echabé n'a laissé rien entrer. C'est pour ça que j'ai dit à celui qui nous suit là que Echabé, vraiment, pour moi, c'est un défenseur qui a sa place, n'est-ce pas, partout dans ce championnat. Est-ce que c'est dans ce match que l'entraîneur Anthony Conceição était venu en banc commun? Oui, justement, effectivement ce match contre Dragon, où il a eu à s'entretenir même avec... notre capitaine, Samuel Lenn, ils ont eu à discuter. Avec moi aussi, on a eu à faire des échanges. Mais je crois que ça a été vraiment un match qui a décanté, n'est-ce pas, la situation du travail qui a été fait pendant le mercato, parce que les joueurs étaient vraiment en pleine confiance. Et ce match nous a vraiment donné, n'est-ce pas, nous a vraiment beaucoup mis en confiance. Abdourahmani Fopoigny pose la question de savoir les réelles raisons du retour de Richard Toa. Est-ce que c'est une histoire d'amour entre l'Union de Douala et Richard Toa, ou alors les raisons sont autres? Non, on peut dire professionnel simplement. Je dis même mon retour au Cameroun, c'est une histoire d'amour. Même mon retour au Cameroun, Franck-Éric, avant que je ne vienne au Cameroun, moi je travaillais en Allemagne. J'étais sous contrat avec FC Cologne, il y a eu un contrat professionnel pour 3 ans auquel j'ai résilié. Pour venir au Cameroun, j'ai résilié ce contrat et je n'avais jamais chômé en Allemagne. Pendant tous les 25 ans que j'ai passé en Allemagne, j'étais toujours en activité. Donc le ministre Zohar, que je salue, est venu me chercher en Allemagne avec l'ambassadeur Roger Mila. J'ai accepté de venir au Cameroun. Je pense avoir contribué, n'est-ce pas, pour le développement de notre football. C'est une question d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de ma venue au Cameroun. Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout d'être venu. Et la possibilité est toujours là. Si je veux retourner, n'est-ce pas, en Allemagne, je le ferai. La porte est toujours ouverte puisque je suis en contact permanent avec mes amis de la Bundesliga, avec tous les présidents qu'on a connus. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un passage glorieux partout où vous passez pour vous laisser des bonnes empreintes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, rentrer dans l'Union de Douala, il y a aussi un problème d'amour. Je dis que je suis celui qui a grandi dans l'Union de Douala étant peut-être à l'ombre, puisque mon frère aîné, père son âme, Roger Tchakouté, il a joué dans l'Union de Douala pendant plusieurs années. Okay. Et avant qu'il ne décède, même il était le président des anciens joueurs de l'Union de Douala, auxquels on tenait la réunion chaque fois chez lui. C'est pour ça que aller dans l'Union de Douala, ce n'est pas un problème
n'est-ce pas, qui peut aujourd'hui nous surprendre. Moi, je suis allé là-bas très volontairement. Quand Franck m'a contacté, je n'ai pas eu à réfléchir trois fois avant qu'il ne me contacte. J'ai eu certains présidents de club qui ont sollicité mes services avant que l'Union de Douala n'arrive. Mais j'ai accepté d'aller dans l'Union de Douala parce que j'avais ce sentiment que j'étais en train d'aller dans une bonne maison, une maison qui me convenait, et voir aussi la qualité des joueurs que cette équipe avait. Vous savez, je suis un adepte de football jeune. Ils ont des très bons jeunes joueurs auxquels je regarde aujourd'hui de penser que ces joueurs peuvent être économiquement très rentables pour l'Union de Douala, puisque c'est des joueurs de très bonne qualité auxquels il va juste falloir développer ce qu'ils ont comme qualité et laisser que ces enfants puissent se mouvoir. Une bonne promotion pour ces enfants seront quelque chose de plus-value pour l'Union de Douala. Ils sont assez nombreux. Les Boubacari que vous avez cités, les personnes comme Beboum, les Ienjok, des jeunes comme Abe Solo, n'est-ce pas, Asana, qui est un véritable numéro 10 qu'on n'a plus jamais eu dans ce pays. Je dis, ils sont nombreux, ces enfants. C'est pour ça que moi, j'aime tout le plaisir chaque fois de pouvoir travailler avec ce groupe, puisqu'ils sont très réceptifs. Et le résultat aujourd'hui prouve effectivement qu'avec un travail qui est fait avec des jeunes qui ont de la qualité, vous pouvez, n'est-ce pas, mieux vous en sortir. Vous faites bien parler aujourd'hui de cette jeunesse de l'Union Sportive de Douala. C'est vrai que le président Franck Appiah avait déjà entamé ce processus de jeunes joueurs, mais ça n'avait pas trop réussi malheureusement avec le début de saison. Vous êtes arrivé, vous avez demandé quand même de la qualité, de l'expérience dans le jeu, raison pour laquelle avec votre arrivée, il y a eu Loïc Feudjou dans les buts, il y a eu Echabé dans l'axe, il y a dans le milieu de terrain, il y a eu Bakindé et puis Mbarga en attaque et Appiah. Mangamba également comme défenseur. Mais vous avez gardé ce noyau, ce bon noyau, ou alors cette bonne graine jeune-là dans l'Union Sportive de Douala, notamment avec ces jeunes qui sont titulaires dans le milieu de terrain. Nous avons le Beboum, qui est un véritable milieu de terrain. Le garçon qui doit être à l'équipe nationale. Vous avez Iedjo, il y a Abe Solo sur les côtés, il y a Innocent Asana, meneur de jeu aujourd'hui, comme on n'en trouve malheureusement plus dans le championnat camerounais. Et l'autre jeune, ancien international U17 également, c'est vrai que son Njokep. Oui, Njokep, oui. Et puis Shenkam, les gens. Shenkam également. C'est un véritable avant-centre. Il l'a démontré encore sur les derniers matchs dans lesquels vous les avez alignés. Moi, j'ai envie de poser la question aujourd'hui, est-ce que le coach Richard Toa ne serait pas tenté, si jamais lui était proposé une fois de plus une sélection nationale jeune? Je parle des U17, je parle des U20. Non, Franck Eric, moi je ne choisis pas où travailler. Vous savez que j'étais à Besta de Limbe, c'est une équipe régionale. J'ai travaillé avec ces jeunes là-bas, c'est là où j'ai détecté le jeune Koundé Malong avec Ndji Calvin. Moi je n'ai pas où travailler, même si c'est un centre de formation. Alors on continue, ça fait beaucoup de jeunes comme ça. Si, ils sont nombreux, les Ndji Calvin, les Otiapol. Qui est à Besta. Voilà, Paul Otia. Voilà, Paul Otia. Peut-être passé par Cosmos, par le Coton Sport également. Effectivement, Ndji Calvin, que Hugo Pros avait déjà appelé en sélection. Koundé Malong. Ils sont nombreux, ces enfants. Moi, je dis, moi, j'ai pas de problème, même si c'est un centre de formation qui vient me chercher. Moi, j'irai travailler. Donc, je ne choisis pas où travailler. Donc, pour moi, l'essentiel, ce n'est pas d'être en élite ou bien d'être à l'équipe nationale. Pour moi, le véritable problème pour moi, c'est de me faire plaisir et de voir effectivement que j'ai des joueurs talentueux auxquels je peux apporter quelque chose pour que ces enfants deviennent des grands footballeurs demain. La preuve en est avec Koundé Malong, que j'ai pris à l'âge de 15 ans aussi à Besta. Personne ne voyait ce garçon venir, mais j'étais tout à fait persuadé. Quand je reviens dans l'Union, j'ai trouvé la qualité, elle est là. Mais le véritable problème, gagner des matchs, sortir de la situation où on se trouve. Si j'avais pris cette équipe en début de saison, comme je l'ai dit, avec une préparation de 2-3 mois et demi, tous ces ces jeunes auraient après 3-4 mois atteint le niveau auquel on prétend les voir dans le championnat. C'est pour ça que quand je prends cette équipe, il fallait faire appel à l'expérience mêlée avec ces jeunes qui sont là. Des joueurs qui devaient gagner immédiatement. Qui devaient gagner immédiatement. Et quand vous voulez gagner immédiatement, vous avez besoin des produits.
auquel vous devez faire ces résultats avec. Mais comme je suis quelqu'un qui travaille avec beaucoup de la patience, vous savez, quand j'ai pris même Fétio, c'était les jeunes, les malades qui étaient là, les 20, mais j'ai eu le temps pendant 3 mois de les préparer par rapport au niveau qu'on prétend les voir. Mais ces jeunes, aujourd'hui, vous voyez que Boubacari, qui en début de saison avait des difficultés, John Kekou, vous avez fait allusion, mon premier match contre le Canon, j'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit c'est pas possible. Ça dit que c'était pas ça, mais je savais que ça devait être difficile. Avec le travail que je ferai, avec eux, ça prendra peut-être 4 semaines, 5, 6 semaines. Mais entre-temps, il va falloir gagner des matchs. C'est pour ça que le président Happy, dès que j'ai fait une réunion avec lui, il me dit, coach, tu as raison. Qu'est-ce qu'on a fait? Je n'ai recruté aucun joueur dans la réunion. Il faut que les gens le sachent. C'est le travail de M. Franck Happy. Ce n'est pas mon travail. Mbaga a été recruté par Franck Happy. Mais, comme je connais Mbaga depuis Fovu, il était avec nous à Fovu, c'est lui qui sauve cette équipe. J'ai dit, si c'est Mbaga, c'est un compétiteur. Voilà les gens qui connaissent le championnat. Le seul joueur auquel j'ai eu à m'entretenir avec lui avant de faire la proposition au président du conseil d'administration, c'est Mangamba. Okay. C'est lui-même qui m'appelle. Il m'a dit, coach, je veux venir travailler avec vous. Je connais votre travail et je sais qu'avec votre travail, je vais me relancer. Je ne viens pas pour de l'argent, je viens pour un projet sportif. J'ai eu donc à appeler M. Koloko, je lui ai dit la situation. Il a dit à Mangamba de venir. Quand Mangamba a appris qu'on a accepté qu'il vienne, je lui ai dit, viens d'abord commencer à t'entraîner avant de remplir les formalités administratives. Il est tout de suite venu, il a commencé à travailler. C'est pas moi qui recrute tous ces joueurs. Loïc Fétou, c'est la même chose. C'est le président Franck Happy et Maître Wakam, que je salue, qui ont recruté ce joueur pour moi. Okay. Et Chabet, comme je l'ai dit, c'était la même chose. Même Gérard Bakinde, qui a été recruté, qui s'entraînait avec l'équipe de Mbila. La Dream Team de Mbila. Ils ont été recrutés par le président Franck Happy. Le joueur que j'avais aussi souhaité avoir, c'était Dipita, qui s'entraînait aussi avec cette Dream Team. C'est un attaquant que j'ai vu pendant le tournoi. Le tournoi Bepana Info organisé. J'ai vu ce très bon joueur. Très bon joueur. J'aurais voulu le voir. L'avoir, pourquoi? Parce que selon mes informations, Dipita serait sorti encore du pays. Je ne sais pas, mais c'est un joueur que j'avais souhaité avoir. Pourquoi? Parce que Shenkam, d'après mes analyses, quand j'ai pris l'équipe, j'ai vu que Shenkam avait des difficultés sur le plan de la santé. Ça devait lui prendre au moins 6 à 7 semaines avant de retrouver son niveau. Et entre-temps, il fallait qu'on joue. Et notre capitaine, elle était permanemment en sélection. C'est pour ça que ce joueur, j'avais voulu l'avoir. Et j'ai eu la chance donc, que le président Happy avec le Flair a eu à contacter Cédric Mbaga, qui est celui qui est venu vraiment nous rehausser le niveau, il va falloir le dire, Franck Eric. En attaque, il nous a vraiment beaucoup aidé. Si vous essayez de voir le match que nous avons eu à jouer à Garoua, c'est ces deux personnes sur le plan de l'attaque qui nous ont fait l'affaire, Mbaga Cédric et le jeune Aboubakar Sidiki. Donc, c'est un travail qui a été fait vraiment en commun, auquel on a tous ces bons résultats aujourd'hui. On va peut-être sortir par là, coach. On vous appelle l'Allemand. Beaucoup se disent aujourd'hui, c'est vrai que je sais de quoi je veux parler. Beaucoup ont comme l'impression que c'est simplement parce que vous avez fait un séjour en Allemagne. Certains ne savent même pas pourquoi on vous appelle l'Allemand. Il faut dire que pendant 25 années de votre vie, vous avez été entraîneur, vous avez travaillé à temps plein en Allemagne et qu'aujourd'hui vous êtes un véritable Allemand et que vous avez gardé cette discipline-là. Même si beaucoup estiment que dans des équipes, vous prenez de l'argent aux joueurs, vous m'avez toujours dit, Franck, je ne vois pas ce qu'un footballeur camerounais, sur le plan local déjà, pourrait m'offrir que je ne gagne déjà pas. Non, je crois que c'est, comme je dis tout le temps, c'est les mauvaises langues qui peuvent tenir un langage pareil. Ces enfants sont mes enfants, c'est moi au contraire qui leur donne de l'argent. Je suis à l'abri quand même du petit besoin. Je ne suis pas un milliardaire ou un multimilliardaire, mais je suis à l'abri. Ces enfants gagnent quoi déjà avec tout ce qu'on a dans ce pays? De comprendre que ce n'est pas bien, ce n'est pas respectueux. Vous savez, j'ai passé, comme je l'ai dit, 25 ans dans un pays où j'ai beaucoup appris. Et c'est ce passage en Allemagne qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Sur le plan de la discipline, l'organisation, l'abnégation dans ce qu'on fait. On m'appelle l'Allemand parce que je suis un Allemand. Je suis allemand de nationalité. Bien sûr. Voilà, il va falloir que. Pourquoi comprenne. Si on dit l'allemand. Vous êtes peut-être camerounais d'origine, mais pour le temps que vous avez passé là-bas, vous avez désormais acquis la nationalité. Si, j'ai la nationalité allemande. Donc pour être au Cameroun, vous avez une carte de séjour. Si, j'ai une carte de séjour. Je vis au Cameroun comme un étranger, mais je suis content déjà que ça se reconnaisse. Qu'effectivement, on sait que à
tout moment, je peux encore rentrer, n'est-ce pas, là où j'ai été formé. J'ai été formé en Allemagne comme encadreur de football. Je suis allé en Allemagne très jeune, où j'ai eu à jouer comme footballeur professionnel, mais la carrière d'entraîneur, je l'ai fait en Allemagne avec le soutien de plusieurs encadreurs, n'est-ce pas, à ce niveau. J'ai un diplôme UEFA Pro, c'est le même diplôme que Joachim Löw ou bien Jürgen Klopp. Ah, nous sommes des collègues. Quand moi j'étais l'entraîneur de moins de 20 ans à Düsseldorf, Jürgen Klopp, c'était l'entraîneur de moins de 20 ans à Mayence. Nous sommes des collègues, on jouait ensemble. Et même Tuchel, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Paris, lui, il est venu après nous. Donc, il ne faut pas qu'on pense peut-être qu'on a un problème parce qu'on est venu au Cameroun. Je suis venu au Cameroun parce que j'aime mon pays, vraiment. Et je crois qu'il y a beaucoup de la qualité ici. Il y a de la matière ici qu'on peut développer. C'est pour ça que moi, je prends plaisir à travailler avec ces jeunes. Quand je les vois vraiment exploser, je les vois grandir, je les vois progresser, c'est le seul plaisir que j'ai. J'ai travaillé dans le Dragon des Hauts, et vous le savez très bien, toute une saison, j'ai pas eu de salaire. Et je l'ai fait pour aider le président Comé Max. Il faut que les gens comprennent ça, que je travaille toute une saison dans une équipe, il est là, il suit bien ce que je suis en train de dire. Et je ne suis pas celui qui fait dans la langue de bois ou bien qui dit des choses qui n'existent pas. J'ai travaillé toute une saison à Dragon sans salaire et j'ai promis d'aider mon ami Comé Max parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, je suis en difficulté Richard. Et tu n'es que celui qui peut m'aider, puisque tous ces joueurs veulent te voir en Dragon. Les Kolo Malolo, les Satina, tous ces jeunes qui sont là, je les ai dit que tu venais, ils ont dit si... Avec un jeune que vous avez révélé, Fonin. Voilà. Une autre détection du coach Richard. Fonin qui est un super avant-centre, auquel je l'ai détecté à l'université. Il était à l'université de Ngouaïkélé. Il m'a été proposé par le DTL Sokeng. Il m'a dit, il y a un petit là qu'il faut que tu le regardes. Il a envoyé Fonin, j'ai dit ça, c'est un super avant-centre. Donc les supports qui sont là, les Tchawa légers, ils sont pleins ces enfants. Quand le président Comé Max les a dit que le coach Toa vient, donc c'était pour lui une manière de pouvoir de booster le moral. Garder ces joueurs qui étaient prêts à partir. Et Kolo Malolo qui est aujourd'hui en Occident, il savait effectivement que je venais. Mbaye Rostan Junior. Donc, meilleur buteur cette saison-là. Voilà, ma présence, c'était un chef de garantie pour le président Comé Max. Pour que ces joueurs, ils restent, puisqu'ils n'avaient pas les moyens sur le plan financier à les garder. Il m'a appelé, il a pleuré, j'ai dit, Max, il n'y a pas de problème, je viens à Yaoundé, tout ce que tu peux faire, c'est de me loger, le reste, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Et il l'a fait, et j'ai maintenu son équipe. À la fin du championnat, on était vraiment très contents tous les deux. Pourquoi? Parce que même économiquement, ça a été rentable puisque Mbaye Rostan Junior a été placé au Maroc. Ça lui a ramené un peu d'argent auquel il a eu à pouvoir résoudre certains problèmes de l'équipe avec. Non, je dis, ce n'est pas pour l'argent. Il n'y a aucun joueur. Depuis que je suis au Cameroun, il n'y a aucun joueur qui vous dira qu'il a eu à me donner un seul coupette. Par contre, c'est moi qui donne de l'argent. Ils seront plutôt nombreux à confirmer qu'ils ont reçu de vous. Et moi, je leur donne de l'argent, pas parce que j'en ai beaucoup, mais juste parce que je pense qu'un enfant qui travaille avec toi, qui s'implique dans votre travail, qui vient après vous dire que coach, je veux l'argent pour peut-être manger ou bien pour payer mon transport, je serais vraiment un mauvais papa si je ne pouvais pas récompenser. N'est-ce pas un enfant qui travaille bien? Merci donc, coach. On a terminé cette autre édition de Confiné Tour à Tour. Vous êtes le deuxième confiné que nous avons rencontré. Et on a pu voir ces règles du confinement aujourd'hui à l'endroit de tous les téléspectateurs, puisque c'est mondialement connu cette pandémie. Quelles seraient les règles d'hygiène que vous pratiquez déjà? Vous les avez citées en début d'émission, c'est vrai. Des conseils pratiques de sécurité pour éviter que vous pourriez donner? Ce que je dirais, c'est ce que tout le monde connaît déjà. Les règles, n'est-ce pas, ou bien les conseils qui ont été donnés par le gouvernement via le ministère de la Santé. Disons que se laver les mains vraiment régulièrement, ça c'est vraiment hyper se laver important. Les mains. Se laver les mains, éviter de pouvoir faire des accolades avec des gens que vous allez, même avec les membres de votre famille, il faut l'éviter. Prendre, n'est-ce pas, des gels. Désinfectants auxquels vous devez permanemment vous nettoyer les mains avec, mettre déjà les masques. Puisqu'on m'a dit, Franck-Éric, la mesure la plus prudente, c'est le masque. Il faut mettre ce masque. Parce qu'il y a des pays en Europe. Ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas de la fantaisie, il faut mettre ce masque.
Donc, moi, je vois certaines personnes se promener sans toutefois avoir ces masques. Ce n'est pas vraiment conseillé. Il faut mettre ce masque et donc rester confiné à la maison. Surtout. Surtout rester chez soi. Sortir quand c'est vraiment hyper important. Vous pouvez peut-être aller à la banque chercher de l'argent ou bien aller dans un supermarché pour procurer ce que vous avez besoin comme aliment. Mais vraiment, c'est conseillé de rester à la maison. Plus on reste à la maison, plus ceux qui sont malades ont la possibilité, n'est-ce pas, d'aller se soigner et la contamination ne va pas s'élargir. Et d'ici quelques semaines, on aura un Cameroun sain. C'est pour ça que je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour saluer quelqu'un qui est vraiment hyper important. Vous le savez très bien, Franck Eric, c'est le manager Diasso. Le manager Diasso, il est le manager des managers. Le manager des managers. C'est un monsieur que j'adore, qui est toujours vraiment très disponible. Quand il a appris que, par les réseaux sociaux, que je devais passer, n'est-ce pas, pour cette séance de travail. Confiné tour à tour. Il m'a dit, voilà, Franck Eric sera avec toi, et je ne savais pas qu'il était au courant. C'est pourquoi je profite pour lui dire bon après-midi, le manager. Mais on va surtout transmettre nos condoléances à un autre ami, à vous, Parfait Ngounou, qui a malheureusement perdu son papa hier. Vraiment, perd son âme, Parfait. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Je sais que c'est une situation difficile auquel nous, on a déjà eu à vivre. C'est vraiment pas évident. Mais sache que nous, on doit te soutenir. C'est dans des situations pareilles que vous savez quels sont vos vrais amis. Parfait, Gounou, je suis là, je vais te soutenir dans cette situation. Mais déjà, prends vraiment beaucoup de courage. Prends le mal en patience. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Prions seulement, n'est-ce pas, pour l'âme de ton papa, qu'il puisse se reposer, n'est-ce pas, en paix. Et que la famille, n'est-ce pas, soit vraiment très courageuse pour pouvoir mener cette action, n'est-ce pas, à vous. Merci, coach. Merci de nous avoir reçus, surtout. Et à très bientôt sur les antennes de l'AC Média. Ça a été un vrai plaisir, Franck-Éric, de partager ce plateau avec vous. Surtout que vous êtes quelqu'un qui vivait le football de très près. Vous êtes l'ami de tous les footballeurs que je connais. Et c'est pour ça que quand vous m'avez appelé pour venir faire cette interview, j'ai pas hésité, malgré que je suis au confinement. J'ai ouvert la porte de mon domicile sur vous. Ça peut tout dire que si on n'a pas de l'estime pour vous, on n'ouvrirait jamais les portes pour quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on n'aime pas. Je suis vraiment très comblé. Et cette interview ou bien ce travail qu'on a fait ensemble m'a vraiment donné encore beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et savoir que ce que nous, on est en train de faire, n'est-ce pas, est vraiment félicité par plusieurs personnes. Je salue le président du conseil d'administration de l'Union de Douala. Je salue l'incontournable Coloco. Coloco. Je salue surtout le capitaine Len, qui est la tête de la locomotive de cette équipe. Viens par lui, la salutation va à tous les joueurs. Et que vraiment, c'est que tous les supporters. Tous les supporters, surtout les Gamaka, ils sont nombreux de nous avoir suivis. Ils nous ont toujours accompagnés, n'est-ce pas, dans ce projet. Et je souhaite seulement qu'ils se mobilisent encore plus fort derrière leur équipe. Vous avez une très belle équipe qui est en train de se construire. Faites confiance aux gens qui sont là. Et je crois que dans les années à venir, avec un peu de moyens, avec un peu d'assistance de votre côté, cette équipe de l'Union de Douala sera capable de jouer les titres chaque saison. C'est pour ça que je vous interpelle en tant que quelqu'un qui est venu nouvellement dans votre maison, que vous avez une très belle équipe qui se construit, des dirigeants qui ont de la qualité, de l'expertise à mettre au service de votre équipe. Je suis tout à fait persuadé que d'ici quelques années, l'Union de Douala va jouer toujours un très grand rôle dans notre championnat. Et pourquoi pas remporter le titre, le championnat et même la coupe auquel cette année il va falloir vraiment s'y mettre pour, n'est-ce pas, gagner ce trophée. C'est un autre message que vous nous avez passé là entre les lignes, coach Richard Toa. Merci à vous tous qui avez passé cet intervalle de temps à nous suivre en direct sur Facebook, sur l'AC Média. On vous l'a dit, il n'y a pas de championnat pour cause de confinement, mais surtout de pandémie de coronavirus. Mais à l'AC Média, nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous montrer le quotidien de tous ces acteurs du football camerounais. On était déjà chez un joueur, Haruna Ndondobampos. Et aujourd'hui, nous étions avec le coach Richard Toa, entraîneur en chef de l'Union sportive de Douala. Demain, il y aura un autre rendez-vous. Pourquoi pas un président de club? Pourquoi pas un journaliste? Bref, tous ceux qui tournent autour du football camerounais et de d'autres sports. Ce sera toujours en direct de l'AC Média avec notamment Eric Martial Wakam à la caméra et bien sûr Eric Martial Ndjomo à la coordination générale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre confiné tour à tour.